Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'après, So Fresh and Diet. Nous avons terminé hier la phase détox et nous entrons aujourd'hui le 9 janvier dans la phase anti-inflammatoire. Et pour ce premier jour d'anti-inflammatoire, j'ai choisi des noix du Brésil. Voilà, j'adore les noix du Brésil. Elles sont particulièrement riches en sélénium et en vitamine E, en plus, ce qui leur donne un fort pouvoir antioxydant. De façon générale, la famille des oléagineux, noix, noisettes, amandes, etc., sont très riches en bons acides gras et c'est ce qui leur donne leurs propriétés anti-inflammatoires. Il paraît que manger 30 g d'oléagineux par jour contribue à faire baisser le LDL cholestérol, donc le mauvais cholestérol. Et ça tombe bien parce que après la période de fête durant laquelle nous avons consommé des escargots au beurre persillé, des plats avec de la crème fraîche, des bûches de Noël avec de la crème dedans, eh bien notre mauvais cholestérol a peut-être fait un pic. Donc voilà ce que représentent 30 grammes à peu près de noix du Brésil et que j'ai choisi de manger ici sur mon lieu de travail en collation. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à la chaîne So Fresh and Diet et à demain pour le calendrier de l'après.